Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Allô? Je parle avec nous là, mais on est sinon là. Donc sinon là, pour nous commencer Ticozé. Ticozé va relayer officiellement Ticozé avec Jean. Et pour ça, on a travaillé sur ça pour nous mettre, pour nous faire l'autre genre pour qu'il y ait plus bon, pour qu'il y ait plus mal. Est-ce que vous entendez nous? Ah, vous dites oui. Vous entendez nous, on a dit bonsoir, on a dit bonjour tout, quelque chose que vous entendez nous. Et vous entendez, c'est ça que nous faisons d'ordinaire chaque jour, entre nous parler. Et sous grand cap de mini-actualité, à Supra International, Israël continue à appeler pilonner et position Hamas en fait dans le territoire Gaza. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aussi lui-même n'a pas fait aucun signe fait malgré appel les États-Unis à penser pour faire camper prison humanitaire pour être assistance de jeunes populations dans Cisjordanie ou bien dans le territoire Gaza. Mais Israël dit le pape campé tout en tant que situation otage n'est pas résolue, tout en tant que Hamas n'est pas libéré, otage. Donc, c'est une grande rencontre qui est déroulée en Arabie Saoudite. L'Iran a participé à la rencontre pour la première fois depuis 7 ans. Donc, depuis l'Iran renouer les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Donc, très certainement, dossier moyen-orient. Après que nous avons causé à tout, et pas dire que il y a Hezbollah qui lui-même est trouvé lui-même là et lui-même continue lui-même tout de temps en temps lance une attaque sous et alors Hezbollah lui-même est dans le Liban, donc on entend lance une attaque sur Israël. Et puis ça nous répond encore de l'autre question qui s'est dominée l'actualité, c'est surtout et ancien président Donald Trump toujours devant la justice côté que hier c'est ça lui il pas dit ni juge là ni monde qui a jugé lui pour affaire dossier corruption mais dossier pas corruption mais dossier et ouais n'est pas comme ça mais le fait que lui augmenté ou il mettait pas ses gains dans bien lui posséder pour être capable de jouer davantage je suis avec un prêt bancaire etc. alors que ville New York a signé pour ça. Et ville New York censé gagner et commissaire gouvernement lui a demandé pour que le commissaire gouvernement a demandé pour le payer une amende pour le payer dommage intérêt près de 250 millions de dollars. Le président n'a pas passé gain et puis pour ne pas faire business encore dans New York. Et pratiquement c'est à ça qui gagne comme grand point qui s'en sert de l'actualité et puis gagne tout en Ukraine. Le président Zelensky, alors l'idée politique a demandé pour gagner l'élection dans le pays. J'ai dit par sa pièce, moment par moment pour gagner l'élection. Actuellement, pour qu'elle organise l'élection, il y a une bataille. Donc, il faut une fine bataille avant nous aider à faire l'élection. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il dit qu'à faire l'élection, à parler, à parler, ça, il n'y a pas qu'à dire ça, parce que vu que l'Ukraine n'a pas de bataille là, donc il y a fait bataille là pour couper, là pour couper. En Haïti, la police censée est en fait gagne un DDO qui ont même interdit policiers mettre maillot uniforme censé par maillot que la police maillot et pour éviter trop maillot que institution ou bien différentes entités dans l'institution policière gagne à utiliser les travail donc parce que gagne un syndicat qui dénonce ça tout. Il dit ça crée trop confusion avec tout le monde et nous apprenons plus devant, c'est que raison c'est parce qu'il a semblé que stock uniforme policier n'est pas renouvelé ou bien encore bien uniforme qui est emblasé. Le policier utilise l'argent par eux pour acheter maillot, confectionner maillot pour mettre ou bien encore bien policier même, qui même dit que c'est parfois c'est eux-mêmes qui font uniforme avec l'argent par eux. Et puis ça arrive tout parce que alors souvent dans plusieurs cas de kidnapping qui veulent conjoindre monsieur qui kidnappe comme bien uniforme policier et toutes les questions toujours posées pour qu'on ait qui côté monsieur ça un uniforme qui soit. C'est cas qui est arrivé dans le dossier kidnapping et lundi 6 novembre
côté que il y a 7 monde que il a identifié comme bandit qui t'a mouri et il est dans moment il t'a fait une tentative kidnapping et il y a une alerte qui est lancée et la police qui est arrivée sur place à temps et dans beaucoup de coups d'armes policiers pour un refuge mais ça pas marché pas policier non kidnapper pour un refuge donc ça pas marché pour certains et il y a 7 là dedans qui mouri et police policier pas capable ou bien l'institution policière n'est pas capable de citer plus de monde qui était impliqué dans le kidnapping. C'est moi qui dis que 7 monde qui mourent et qui ont été tués comme kidnappeur. Et il y a une là-dedans qui a un uniforme policier. Et puis dossier police et dossier qui était bandit armé qui bloquait un quartier dans la capitale, sorti sud dans la capitale, qui est censé être dans beaucoup de coups d'armes avec la police depuis samedi, et bien dossier ça par confinité toujours parce qu'il t'a semblé que la police pourquoi reprendre contrôle zone. Et en plus le monde dit si M. Bandi Negami arrive prendre contrôle zone ça, qui sont passages qui débouchent sur 5 départements, et bien ça va le créer un peu le problème parce que M. Sayo, ça a fait, il fait machine, payer un frais. Un frais l'a passé dans la zone. Non? Donc ça veut dire que M. déjà payé un frais déjà l'a passé dans. Et dans la zone sud, déjà, il y a un premier côté au pays frais déjà. Donc, il y a un deuxième station et péage qui a payé. Donc, ça, il y a une répercussion sur les passagers parce que les chauffeurs n'ont pas l'autre choix que faire passager au pays plus en plus. Donc, le prix soit venu monter parce que les chauffeurs, parfois, il semble que c'est plus pour bandits à travail. Bon, parce que tu as payé près de 300 dollars pour le passer et on l'autre personne là tout encore. Donc, ça veut dire tout comme ça. Passe tomber sous le dos, passager qui est obligé de mettre pris dans sport et transport public. Et puis, gagner tout, et chargé d'affaires États-Unis en Haïti, et William Sotomayor, qui lui-même est découragé, l'architecte qui a pu utiliser Nicaragua pour faire Haïtien passer, pour y chercher entre aux États-Unis illégalement. Donc, il dit que il n'a pas réussi parce que chaque fois que les États-Unis ont découvert un monde qui a passé sous le Nicaragua pour faire entrer aux États-Unis, illégalement, il a déporté le monde et le monde a perdu comme lui. Donc, il a découragé. Il a dépensé près de 3 à 4 000 dollars pour un voyage qu'il a avec un pile d'incertitude là-dedans. Il n'a pas connu que je n'ai pas réussi. Et après, ça a lancé tout pour Cubain et tout parce que c'est passé là ici seulement que l'Aquité a utilisé pour faire entrer le Nicaragua. Avoir aérien pour entrer aux États-Unis à pied ou bien encore par d'autres moyens jusqu'à ce que aux États-Unis légalement, que traverser les États-Unis également, bientôt et Cubain autour. Donc, et autorité fait qu'on est, il n'y a pas quitté ce dossier-là pour jeunes, dans le cas d'Haïti, pour les jeunes, pour les jeunes à quitter. Moi, après que le 30 octobre passé, le gouvernement était campé, ou bien interdit tout vol, cap sorti Port-au-Prince ou bien cap sorti en Haïti pour aller Nicaragua jusqu'à nouvel ordre. Mais une agence gouvernement a déjà déclaré que c'est une décision provisoire. Mais provisoire, nous comprenons qu'il est ça privé, qu'il est là fini parce que les disciples étaient capables de mettre l'ordre dans les ordres parce que c'était comme des ordres dans le champ de voie SAO. Il n'y a pas de contrôle sur la situation du tout et il n'y a pas de préparation qui fait pour accueillir quand c'était mon sac à vider dans l'aéroport chaque jour. Mais jusqu'à présent, on est pour l'idée et on ne dit rien. Qu'il est la première édition et qu'il est sa fête, mais avec les dernières déclarations que Charlie Daffé des États-Unis a fait là, ça vient peut-être jeter beaucoup plus doute sur possibilité pour le programme ça, ou bien encore pour Chien de Voix ça, ou bien encore pour les Haïtiens capables de quitter Haïti, par bon et par quelqu'un qui a commencé à faire, puis au reste dans les États-Unis. Et Charlie Daffé a même dit que bien encourager les Haïtiens pour utiliser les moyens légaux que l'administration a mis à disposition pour entrer aux États-Unis de façon légale. Ça veut dire et utiliser les programmes que les programmes Biden pour chercher un monde qui peut patronner pour entrer aux États-Unis de façon légale. Et lui-même dit que depuis jusqu'au mois d'août, le programme a commencé en janvier, il était dit jusqu'au mois d'août, eh bien, il y a près de 70 000 Haïtiens qui déjà ont une approbation administration pour entrer aux États-Unis, pour entrer aux États-Unis légalement. Donc, il encourage reste mon pour faire même gens pareillement au lieu de risquer non seulement l'argent que vous faites, parfois c'est l'argent que vous prêtez, parfois c'est un parent qui aide, mais tout, risquer la vie autour d'un voyage que pas même connaissez, si approuvé, et qu'il y a des fois qui pas même vivre même, parce que c'est seulement quelqu'un qui a profité de l'ignorance ou bien de faiblesse immigrants ou bien pauvreté ou bien misère ou manque à prendre contre la misère.
pour faire entrer aux États-Unis, pour dire pour mettre ciel et terre que les privés aux États-Unis pour venir riche, pour faire du travail, etc. Alors que le programme qui est disponible dans l'administration a dit utiliser le programme ça qui est zéro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer un goutte. Moi, non, je ne monte pas d'eau. Au monde qui peut remplir, faire patron d'eau entre les États-Unis. On croit que pratiquement c'est là, et puis je dis à nous, et puis il y a tout. Et député américain d'origine haïtienne chez la McCormick, chez la Sheffield McCormick, qui lui-même fait une déclaration, qu'on a demandé pour que le premier ministre Henry démissionne. Pour démissionner, etc. Donc, son interview par Valérie Saint-Louis et collaborateur nous dans New York. Et nous avons une intégralité interview ça, intégralité tout ça qu'il dit dans l'interview ça, dans le programme de télévision après-midi avec Jacques Mbélizère. Et puis, il y a tout. Et en Haïti, il y a un débat qui a fait qu'il y a soit fait date 7 février 2024. Supporter le gouvernement dit que date ça n'est pas un problème. Parce que le ministre n'a pas besoin de joindre un accord pour rester sous pouvoir après 7 février 2024, même si l'accord 21 décembre 2022 a dit que tu promets là-dedans que le gouvernement a passé pouvoir par un gouvernement. Alors le ministre a passé pouvoir par un gouvernement élu 7 février 2024. Et on n'est pas fait jusqu'à présent pour montrer que ça a fait. Donc il y a une voix qui commence à lever pour dire que le ministre. Mandat ou à bout de ça, parce que si on peut mettre le fond pour aller, il y a plusieurs groupes d'opposition même qui disent ça et qui courent ça, mais il y a un groupe qui supporte le ministre Henry et qui dit que le premier ministre Henry n'a pas besoin encore pour rester au-delà de 7 février 2024, c'est vraiment besoin de une entente. Une entente pour rester pour organiser l'élection. Pour rester en attendant l'organisation de l'élection pour passer le pouvoir par un gouvernement. Donc, le débat a fait à présent pour nous. Mais quand on dit que ce n'est pas un problème, la date n'est pas un problème, il n'y a pas de question pour une discussion sur lui. De toute façon, bon, il y a des gens qui demandent que le bon groupe qui fait former là, qui vient là dans l'ED, qui vient là dans l'OPL, qui vient là dans l'ICRI, avec l'autre encore, et bien, eux-mêmes, ils forment récemment, et bien, eux-mêmes, ils ont demandé, ils croient que l'inécessaire que le premier ministre allait en réaliser, parce que c'est ça, il était pour maintenant encore 21 décembre 2022, et pour le pouvoir, comme il était battu être un délai, et le délai a abouti, a privé sans que pas gagne, ça, il était pour mettre, et bien, même le président au conseil de transition, ACT, Mme Mylène Maninga, qui lui-même tout dit que. Et le premier ministre Ariel Henry pas Kembe, vous ne pouvez pas réaliser ça que vous avez fait, excepté que l'ACT a été pour maintenant à cause ça qu'il fait, mais pas gagné aucune condition qui fait rien qui fait qui montre que vraiment 7 février a un nouveau président sur le pouvoir. Donc il ne va pas aller à faire démission, non, mais il dit que pas gagné qui était fait pour ça. Mais l'autre secteur même qui est surtout concerné, il y a quelqu'un qui a pris un appel pour dire, pour demander pour Mme Maninga démissionner. Et dans l'interview que. Et Mme Maninga Tebaye, un journaliste chez BLTG, a fait démissionner pour lui-même. L'elle Tebaye interviewa pour lui-même par sa pièce. Il n'a pas démissionné. Donc voilà. C'est là que nous sommes dans le dossier aujourd'hui, et puis nous avons dit qu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un là. Et tout le monde l'a pratiquement, mais gros pièce aujourd'hui, c'est la déclaration du député Floride là. Et chez la chef de la commission à côté de lui, en quoi il dit que lui-même, il n'a pas souhaité, il n'a pas cru que. Et il parle de la première ministre, ou bien force multinationale par Vina, les lignes se courent par le pouvoir Ariel Henry, et pas ça, je souhaite, et que il croit que nécessaire pour que le premier ministre à Ariel Henry ait fait la réunion, donc a jeté l'éponge et retiré le col. Il y a comme un temps à tout qui va en proposition qui t'a semblé pour durer entre 18 mois. Pour un gouvernement de transition, c'est ça la proposition Montana, comme Montana Bali même. Tout à un gouvernement de transition qui est capable là, entre 18 mois à 24 mois, et là-dedans, pour élargir ça, et au conseil de transition, qui a gagné 5 membres au lieu de 3 membres, et d'abord le président qui a soutenu le conseil là-même.
Donc c'est là nous y est connu là d'autres nous fait nous autres nous là n'a pas observé moi ça va passer monsieur Jean-Bert Philippe car ça lui nous qui a promesse nous et bien on a fait nous débrancher un petit causé nous fait chaque jour et lundi au vendredi excepté les mois vacances si mois vacances pas un petit causé mais pendant que mois vacances après fait pas ensemble je dis on parle d'immigration toujours et on parle nous surtout moi-même de il faut qu'a fait pour et catholique charité ou bien encore ça elle est secours catholique ou bien encore catholique charité qui dans New York il l'a fait comment assidu ces artistes a fait pour aider les immigrants vénézuéliens qui fait vivre dans New York pour remplir TPS et statut de protection temporaire avec l'autre programme encore et pour bail pour la vacité et tout nous parler tout de visite et que Maïssa à New York là et qu'Adam s'est fait récemment dans Amérique du Sud, quand elle a visité Florida, il y en a. Alors, elle n'a pas passé le Libertal, mais elle a visité son côté qui est exactement où il fait. Alors, Florida, il y en a, c'est que c'est pas Panama avec Colombie. Alors, elle a visité la cité pour décourager les migrants, pour ne pas vivre une vie dans le mur, parce qu'elle a déjà un paquet de migrants déjà qui viennent dans la carrière chaque jour, et qu'elle va même accommoder au même bar au logement, même, elle a découragé ça pour faire ça avec cette visite-là. C'était l'objectif visite. Voilà. C'est récemment même, je parle de ces immigrants, ce pays immigrants qui déjà sous frontière des Amérique, captent. Eh bien bon, ce déjà là, déjà, continue à étendre. L'autorité n'a pas fermé un programme et rendez-vous. Donc, on a toujours pris rendez-vous sur le programme CBP maintenant. Pour venir sous frontière, venir demander asile. Pas venir sans pas un rendez-vous parce que laisse ça illégal et pas chercher à entrer sans document légal, illégalement, pas chercher à entrer. Parce que l'idée des conséquences. Oui, parce que l'idée des conséquences pour donc, rendez-vous, venir sous frontière, alors rendez-vous, venir demander asile. Et si on se soit pas le cas, marcher, le cas, marcher, tout simplement, mais pas essayer de venir illégalement, parce que l'on va passer un système, ne pas venir, etc. Et puis devant, l'on a besoin de légaliser le statut, et bien. Ben là, est capable difficile pour prouver qu'il y a des frappes. Moi, je me dis qu'on a un immigrant qui est rencontré au Mexique, dans la frontière, et qui dit que, bon, eh bien, nous avons passé, et si nous disons que l'un a passé à agent d'abdomen. L'un a passé à agent qui a fait pour ça, t'as dormi. T'as dormi, ça fait, nous avons passé, nous pas checké. Moi, je dis que ça n'a pas existé, ça, je dis. Il n'a pas existé parce que. Pour d'entre eux, il y a complètement 24 sur 24 games qui là donc on pas passer sans mon parole. Et là il vient dans immigration, il faut rentrer, il faut comme dire pour. Donc il pas vrai affaire au passer agent d'abdomen. Mais les amis ça allé aux États-Unis, moi à l'Indiana. Et dernièrement, il faut pas la belle l'Indiana, Indiana, mais même il pas faire ça le dit non parce que il est venu entrer pas avoir moins illégal, il prend rendez-vous. Et ils entrent. Même gens ont même tout sous rendez-vous, rappelez sous rendez-vous avec immigration. Pas fait gros point pour dire pas parler rendez-vous, ou pas de mon cap de parler rendez-vous, y'a blio, pas vrai. Et puis bon rendez-vous, allez dans rendez-vous. L'arrivée, il y a une chance pour renvoyer. Si vous n'avez pas recevoir, il y a un renvoyer, rendez-vous pour l'autre date. Et l'autre date là, le pape demain, il tape dans un mois, il capable peut-être dans deux ans, trois ans. Tellement que le monde capte. OK? Bye bye tout le monde.